Lentement. 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 L'entraînement de ce printemps 2012 donc, est dirigé par un lanceur de niveau mondial, il s'appelle Scott Ryder, il vient de Londres, il est professeur d'EPS à Londres, et donc il va consacrer un week-end entier à entraîner les Bockers, c'est-à-dire les lanceurs du club AGF de Bressuire. Donc des trois clubs français, on peut dire que les Bockers sont aujourd'hui les plus forts, mais il y a une relève aussi dans les autres clubs, et c'est un sport qui se développe tant en France que partout en Europe. Donc l'entraînement après un échauffement d'un quart d'heure donc, va consister à des conseils techniques sur la pratique des cinq épreuves qui constituent un concours combiné de jeux de force traditionnels écossais, à savoir la pierre, le poids en longueur lourd, le poids en longueur léger ce matin, cet après-midi reprise avec le marteau dit du forgeron, plutôt une espèce de masse. Ensuite, il y aura du retourné de tronc d'arbre et pour finir, le poids en hauteur. Et demain dimanche, donc, les apprentis lanceurs, Bockers, donc, referont sur la matinée les cinq épreuves. Les Highland Games, c'est d'abord un rassemblement festif autour du sport et de la musique dans la grande tradition écossaise, et ça vient du 14e siècle, donc c'est très ancien. Donc il s'agissait de réunir des clans, et les clans s'affrontaient à travers des compétitions sportives. Donc les sports de force traditionnels sont une des composantes des Highland Games, grand rassemblement festif. Voilà. T'as ta boule.